tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve de bon matin, on va dire presque de bon matin, pour un vlog. Ça fait longtemps que je vous vlog plus vraiment, je trouve plus l'envie en fait de le faire. Et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas commencer la journée à filmer. Je vais essayer de filmer, d'être présente un peu plus souvent. Du coup, on va déjà prendre soin de nos cheveux, c'est un peu une catastrophe là, il faut que je les lave, etc. Et je vais utiliser ma gamme habituelle. Alors, je commence la vidéo avec ça parce que je reçois énormément de messages de plusieurs filles et d'abonnés qui me demandent qu'est-ce que j'utilise pour mes cheveux, pour que ça pousse, pour qu'ils soient beaux, etc. Même si des fois, quand je dors et tout, ça devient comme ça, ils sont aussi beaux, etc. Parce que vous m'avez connu clairement avec des cheveux catastrophiques. C'est vrai qu'ils ont bien poussé, etc. En fait, j'utilise que la gamme Pomelo, les filles. Je n'utilise que ça, vraiment. Ça, c'est une crème de soin. Et ça, c'est que les gammes Pomelo. Maintenant, vous voyez, j'ai utilisé ce petit panier pour mettre tous mes shampoings. Et après shampoing, d'ailleurs j'étais en train de chercher mon après shampoing Pomelo parce que là j'en ai besoin. Je crois qu'il est dans l'autre pièce. Ouais, mon après shampoing butter, matcha butter, parce que j'utilise que ça. Donc voilà, j'ai les gammes, j'ai les soins, j'ai les huiles qui sont dans l'autre pièce parce que pour les huiles je les mets dans mon autre pièce, j'utilise vraiment que ça. Vous avez des soins comme ça qui sont une tuerie, c'est plusieurs soins, là j'ai les soins énergisants, le traitement à base d'amande et de coco, donc c'est le Vanilla Boost, celui-ci c'est le Goji Georgius, et vous avez ça, c'est les shampoings et les après-shampoings de Mifi, c'est juste une tuerie, ça démêle super bien leurs cheveux, c'est le Vanilla Crème et le Vanilla Dream, et en shampoing, il est top. Et moi, comme d'habitude, je ne jure que par cette gamme, le Matcha Scrub, parce que franchement, il ne fait que du bien à mes cheveux. Vraiment, je suis fan de celui-ci. Donc voilà, franchement j'utilise que ça, je les utilise quand je les fais, voilà, quand je lave tout de suite après mes cheveux. Et surtout après les soins comme ça, les petites cures de soins que je vous ai montrées en forme de compote là, j'appelle ça, ils sont trop en forme de compote. Mais vraiment ils sont top. Alors faut les mettre au réfrigérateur juste avant parce que sinon c'est de l'huile et vous utilisez trop de produits. Le but c'est pas d'en utiliser trop et là j'utilise vraiment la gamme pour mes pointes à sécher. D'ailleurs je compte les couper parce que je coupe assez souvent normalement mes pointes parce que moi elles s'abîment vite. Mais vous attendez des tutos sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire parce que je sais que j'ai beaucoup de demandes. Donc là je mets ce soin, c'est un soin pore masque pour resserrer les pores à l'argile rose. Ça exfolie apparemment et ça prend soin. C'est un masque qui vient de chez Primark. Et du coup, je vais le mettre là et après je vais aller à la douche. On va voir ce que ça va donner. Ça sent déjà super bon. Et je sais pas vous, d'ailleurs hier c'était le premier jour de l'automne. Mais moi, en période automnale, hiver, j'adore prendre soin de moi, avoir des moments cocooning. Et j'aimerais bien vous faire des vidéos de ce style. Tiens. Avec vraiment des tisanes faites maison, des masques aussi faits maison, parce que j'ai acheté plein de livres et j'en ai depuis longtemps sur ça aussi. Et voilà. Et d'ailleurs, moi j'ai les pores très. Voilà. Et du coup, je pense que ce masque me fera que du bien. D'ailleurs, il faut que je sorte ma machine que j'avais utilisée, vous savez que je vous avais montré de chez Amazon, pour nettoyer après, juste après ce masque. Donc je vais laisser agir. Je vais laisser le masque bien agir. Je vais prendre, faire mes premiers soins, etc. Et ensuite, je vous reprends. J'espère que ce style de vidéo avec des petits moments cocooning vous plaît. Parce que franchement, c'est ce qui m'avait manqué sur ma chaîne. J'aimais bien vous faire beaucoup de vidéos de ce style. D'ailleurs, j'ai acheté ça chez Action. Je vous l'ai montré lors d'un haul. Et je vais en profiter là, je vais mettre un peu d'eau chaude et je vais l'utiliser. C'est un body scrub et j'utilise souvent ça parce que ça fait du bien à la peau, ça enlève les peaux mortes. C'est hyper agréable et en plus ça sent super bon. Donc celui-ci est vraiment pas mal. Voilà.
And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Voilà le résultat de mes cheveux. Donc voilà, vous voyez, ils sont hyper brillants. Je suis trop contente quand ils sont hyper bien hydratés. Mes cheveux, je vous montre rapidement. Donc voilà, surtout après avoir fait le masque, mes cheveux retrouvent hydratation et brillance. Faut juste que je les coupe un peu au niveau des pointes. Et après voilà, franchement, regardez, ils sont hyper brillants, hydratés. Et voilà, il y a juste depuis que j'ai fait la couleur au niveau des pointes, c'est légèrement fourchu, vous voyez, mais ça leur fait quand même du bien, regardez. D'habitude, c'est hyper sec. Donc toujours un soin, une fois par semaine comme ça, et le type de soin de chez Pomelo, c'est vraiment top. Et voilà. Donc n'oubliez pas, le code promo est en barre d'information, et si vous voulez en profiter et tester et essayer de retrouver des cheveux hydratés, souples, qui reprennent vie, vous allez sur le site Pomelo. Donc c'est des produits à 95% de produits naturels, c'est vegan, vous avez, c'est à base d'huile essentielle aussi naturelle, franchement ils sont bien, je vous recommande. Voilà, du coup je voulais vous montrer, j'ai reçu ma commande Shogun, c'est une commande groupée de toutes mes clientes du secteur de 68 qui ont passé commande chez moi, et du coup j'ai hâte de... Il y a aussi moi, j'ai aussi pris des commandes. Faut que je retrouve mon cahier des charges comme on dit, où j'ai toutes les commandes. Mais ce qui est top, c'est quand je fais une commande groupée pour vous, ça vous permet d'avoir des réductions de livraison, voire des livraisons à 0€. Donc je vous montre toute la commande. Il y a énormément de produits, surtout les produits ménagers, on m'en a demandé énormément. J'ai vraiment beaucoup de produits ménagers. Donc Total Brie est un réel succès depuis que j'en parle à mes clientes, elles adorent. Et franchement ça désinfecte super bien la cuisine, c'est top. Celui qu'on me réclame aussi souvent, c'est le Bagnolux pour la salle de bain. Le produit pour le sol. Donc moi j'en ai pris un, une cliente en a pris un. Vraiment je suis hyper contente du résultat. Et Oven aussi, ça cartonne. Ensuite on m'a pris bien évidemment des produits. D'ailleurs les filles, j'ai un produit pour vous, les enfants. C'est un produit shampoing anti-poux. Si vous galérez avec les poux, ce shampoing est top. Et ça prévient l'apparition des poux. C'est un shampoing bio. Donc si vous souhaitez avoir le catalogue des produits, vous me demandez tout, je vous enverrai. Vous m'envoyez un mail ou vous me contactez sur Instagram. D'ailleurs mon Instagram spécial Shogun, c'est Aziza Shogun Family. J'ai pris du crayon à lèvres pour moi, je vais tester vraiment les crayons à lèvres, les lipsticks, je vais vous faire tester, je vais vous partager ça. Et puis bien évidemment, j'ai pris des parfums pour mes clientes et j'ai énormément de commandes de parfums. Donc ça a fait fureur, vous voyez, je vous montre. Et pour mes clientes, on a pris énormément, elles ont pris énormément de parfums. Donc vous voyez, j'ai vraiment le stock de tous les parfums pour tout le monde. J'ai hâte qu'elles puissent tester, qu'elles puissent me dire des nouvelles. Donc une fille m'a fait deux petites commandes de parfums et le reste c'est tous des 100 ml. Donc 100 ml, 30€. Les petits, ils sont à 15€. Voilà, donc voilà, c'est des parfums similaires aux grandes marques, etc. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, et bien sûr il y a tous les kits pour tout le monde. Mais en tout cas c'est des bons parfums, moi j'utilise que ça. Donc voilà. Il y a du changement dans la cuisine, je vais vous montrer. Et j'ai reçu beaucoup de questions parce qu'il y en a qui ont vu petit aperçu sur Snapchat. D'ailleurs vous pouvez me suivre sur tous les réseaux, j'ai tout mis en barre d'informations. Je vais vous montrer, je suis assez contente. Même si au début j'ai eu un peu peur au niveau des produits, je descends après, je vous montre. Et vous me direz ce que vous en pensez en fait. Donc voilà, je vais juste chercher, voilà, ce que je recherchais, ça, comme ça je peux enfin vlogger. Il était dans mon bureau, ça voulait dire en gros que je vloguais plus trop. Donc là on reprend, c'est encore un petit peu le bordel parce qu'il nous manque
parce qu'il n'a pas fini, qu'on doit sortir et qu'il nous manque un peu de choses. Mais je vous montre le résultat déjà au niveau voilà, du côté. Pour le résultat, je trouve en vidéo, ça rend encore mieux que ce que je pensais. Donc c'est, on a utilisé des plaques en PVC marbré de chez Leroy Merlin pour donner ce côté-là. Donc comme je vous disais à chaque fois, je ne supportais pas ce carrelage. Je trouvais que le rendu ressortait pas du tout au top dans la cuisine. Et du coup, j'ai mis là. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc une fois que ça va être nettoyé et tout, ça va être mieux. Et du coup, voilà. Donc ça se présente comme ça, c'est des petits carreaux à coller sur la surface. Et ça rend comme ceci. En plus de ça, j'ai aussi acheté cela. Donc on avait déjà collé une partie ici. Parce que ici, ça, le mur se salissait hyper vite et c'est compliqué à nettoyer. Et on avait acheté ça qui était beaucoup plus discret, moins... Je voulais pas que ça fasse trop carreau ici et je trouvais que cette surface était pas mal. Par contre, celui-là, il coûte hyper cher pour deux grands carreaux comme ça. Ça coûte 40 dans les 38 euros. C'est hyper cher. Du coup, heureusement que notre surface est voilà pour 4 comme ça. Et voilà, mais le rendu est joli, ça fait vraiment effet carrelage de salle de bain et tout. C'est hyper lisse et ça se nettoie très facilement. Je trouve que ça fait, en fait cet effet là, on a l'impression que c'est du vrai carrelage, contrairement à l'autre que je vous ai montré. Donc ici pour ce coin là, je trouve que ça va être bien. Donc je vais épurer les filles, vous inquiétez pas, je vous ai dit, j'attends de tout finir pour vider tout ce qu'il y a sur le plan de travail. Et pour que vous direz ce que vous en pensez, j'attends vos avis. Donc pour celles qui veulent savoir d'où viennent ces carreaux, vous avez plusieurs styles, il y a l'effet marbré, effet carreau, etc. Bon. Et ça vient de chez Leroy Merlin, ça se présente au niveau des déco papier peint, etc. Vous n'avez pas trouvé côté crédence et cuisine, vous avez vraiment trouvé côté papier peint décoratif. Il y a les films aussi pour décorer, vous avez plein de choses et c'est là-bas que j'ai trouvé, ça. Après l'effet, je trouve marbré est plus fort que sur l'effet ici, mais ça rend quand même comme je le voulais. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et au moins vous savez d'où j'ai acheté ces petits carreaux. Et pareil, ceux qui sont là-bas, ils viennent. Vous me direz vraiment. En tout cas, je trouve que ça rend bien. Regardez, quand je me mets devant et tout, ça fait effet vrai carrelage quand même. Hein. Franchement, c'est quand même pas mal. Bon, il y a un peu de... C'est un peu tout retourné, mais ça va aller mieux. Donc, je voulais pas que ce soit tout noir non plus. Déjà, j'ai du mal au niveau filmé, etc. pour vous montrer, présenter des choses en vidéo. Et souvent, c'est sombre. Donc déjà que la pièce est pas très illuminée parce que j'ai une toute petite fenêtre, vous voyez. Il fallait quelque chose de clair pour que ça ressort vraiment. Donc du coup le plan de travail je trouve qu'il ressort. Et pour les présentations aussi, les recettes et tout, ça va être beaucoup plus joli. Voilà, j'attends vos retours en tout cas. Maintenant aujourd'hui on va parler déco vraiment. Je vais vous emmener avec moi pour aller en Allemagne. Trouver de la déco, j'ai vu un magasin, même au niveau des chaises, des tables et tout, j'ai besoin de voir parce que y aura aussi du changement à ce niveau là et j'aimerais vraiment avoir une belle présentation ici, que ce soit propre, rangé, etc. Déjà que j'arrive à entretenir un peu mieux la maison ces derniers temps, avoir une nouvelle table et des chaises ne serait pas de refus. Bon les filles, là on va partir du coup, on s'est juste arrêté au Roi Merlin pour acheter ce qui nous manque au niveau des carrelages des faux carrelages, on va dire, des carrelages en PVC à Fribourg. D'un coup, le soleil est revenu. Dès qu'on est sorti, il y a un grand soleil qui est arrivé. Heureusement, j'allais prendre une veste lourde, mais il fait trop chaud. Il fait quand même assez bon. Donc vraiment, à cette période, tu sais pas comment t'habiller, rien. Du coup, c'est assez compliqué. Donc, on va aller. Je vous dirai où on va. En tout cas, je vais vous faire des... Thank you.
les filles, la visite est terminée. Donc je vous ai fait découvrir un magasin en Allemagne que je vous avais jamais montré. Ça s'appelle Momax. C'est un magasin de meubles. Je le voyais plus petit, il est immense. Et franchement, vous allez, ça me rappelle Ikea en fait, mais en mieux. Il y a beaucoup de choses et du coup, je me suis dit, je vais voir pour les décos d'automne. Parce que je sais qu'en Allemagne, vous avez vraiment des choses assez originales, différentes, etc. Je sais qu'au centre-ville, il y a d'autres boutiques de décoration où il y a des décos d'automne intéressantes aussi. Donc, je ne sais pas encore le programme de la suite de la journée, là, ce qu'on va faire. Mais en tout cas, si vous êtes intéressés, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont frontaliers chez moi. Je vous mettrai les adresses de Momax en barre d'informations. Je vous mettrai celles qui sont près de Strasbourg, Colmar et celle où je suis qui est près de Mulhouse, qui est au centre-ville de Fribourg. Je sais que beaucoup de filles aussi de Strasbourg viennent à Fribourg. Donc voilà, franchement, vous avez plein de magasins de déco. Si je pouvais les faire en une journée, je les ferais. Mais je suis plus trop patiente dans les magasins. Je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup de mal. D'un coup, à un moment j'ai faim, je me sens pas bien, etc. Mais en tout cas, les décos sont magnifiques. Ici, elles sont magnifiques. Les tableaux sont exceptionnels. Vraiment toutes aussi jolies. C'est grand. Les lustres sont vraiment pas chers. On a trouvé des lustres vraiment magnifiques. Il y a vraiment de quoi faire. D'ailleurs, j'ai pris le catalogue pour la promo et de la semaine et le catalogue pour feuilleter un petit peu. Franchement, il y a des choses intéressantes et très très tendance. Voilà. Et en plus, vous avez un restaurant si jamais. Si vous voulez passer la journée ou la matinée, qu'après vous avez un petit creux, parce qu'en général ils savent qu'on a toujours un creux. Mais non, c'est pas vrai. Mais regarde, ils font le menu poisson, pommes de terre. 4 euros en plus le menu. Franchement, ça va. C'est comme Ikea en fait. Et voilà. Et franchement, les meubles qualitatifs, c'est la première fois que je vois, à part dans des cuisiniers, chez des cuisinistes, des plans de travail en granit. Mais vraiment de très bonne qualité. Franchement, si je referais une cuisine, ce serait avec un plan de travail comme ça. C'est solide, ça vieillit pas, ça prend pas les chocs ou quoi. C'est comme ceux en fait, les granites au Maroc, hein, c'est des trucs qui bougent pas. Et ça, c'est top. Vraiment, si je peux vous conseiller en cuisine, plan de travail de ce style. En plus, ils sont pas très épais, ils sont très fins. Franchement, c'est tout ce qu'il faut. Du coup voilà, on a terminé et on vous emmène à la suite. J'ai fait des petits achats, je vous montrerai ça tout. Du coup on va rentrer. J'étais en train d'échanger avec Imen de la chaîne Home Life Kitchen. Il y a ML, il y a Wafa aussi. On discute souvent entre nous. Et en ce moment il y a un sujet qui interpelle beaucoup d'abonnés en ce moment, qui tourne, etc. Je parle déjà par rapport à... Il y a eu plein de choses apparemment où il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur les youtubeuses, mais vraiment des gros préjugés, que ce soit déjà il y a un grand tabou sur le sujet de l'argent, un grand tabou sur plein d'autres choses, sur le travail, sur le fait de faire ça par passion, par intérêt. Et franchement, je suis dépassée parce que vous ne vous rendez même pas compte. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont une vision erronée totalement de certaines personnes. Autant sur de grandes youtubeuses, il y en a qui vont idolâtrer ces filles-là. Autant quand tu es une youtubeuse lambda avec un quotidien lambda que tu gagnes pas des 1000 et des 100, forcément, on va dire de toi que tu es sur YouTube pour l'argent. Déjà, moi je pense qu'il faut se réveiller à un moment donné, parce que si on serait sur YouTube pour l'argent, ça fait 4 ans par exemple moi qui suis sur YouTube, je serais fortunée grâce à YouTube, ça se verrait je pense, ce qui n'est pas le cas. Et en 4 ans, j'aurais vite lâché l'affaire parce que je partage, je monte des vidéos, je fais ça plusieurs heures par semaine, mais je continue à le faire parce que ça me plaît. On a le droit de faire ça par plaisir. Et il y en a qui n'arrivent pas à comprendre qu'on peut filmer, partager. Moi, j'adore les réseaux sociaux. Ça fait longtemps, quand on filmait au début sur YouTube, faut savoir qu'on n'était pas rémunéré. Donc, c'était un travail totalement...
c'était du travail sans rémunération, on avait le retour derrière, on avait les échanges, et c'est ça qui fait le charme au départ de YouTube, c'est ça qui fait le charme au départ des réseaux sociaux, c'est ça qui faisait le charme. C'est sûr que maintenant que l'argent est rentré dedans, forcément y a une autre image, il y aura d'autres choses qui vont être créées, comme des gens qui vont être là juste pour ça. Mais il y a aussi des filles qui font ça avec plaisir et nous on en fait partie, mais ça les gens ils n'arrivent pas à comprendre cela. C'est sûr que avoir de l'argent ou avoir un contrat ou autre, ça fait toujours plaisir, mais s'il n'y est pas, c'est pas grave, on continuera à filmer. Et ça les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est possible, alors que si c'est possible, parce que si on, nous avec nos petites rémunérations, on est toujours sur YouTube, ça veut dire que ça nous plaît. Sinon dans ce cas là on va aller travailler, on va, voilà. Moi à côté de ça j'ai toujours travaillé, il y en a plein d'autres youtubeuses qui travaillent à côté mais qui font ça avec grand plaisir, c'est qu'ils le font avec plaisir, c'est, ça rapporte peut-être un plus au niveau rémunération et ça c'est sûr que personne ne crachera dessus, mais on a le droit de faire ça avec plaisir. On dirait qu'on n'a pas le droit, on dirait qu'on a une image, ça y est, t'es sur YouTube, c'est pour l'argent, ça y est, les youtubeuses, elles, c'est des crèves la dalle. C'est, à un moment donné, stop. Je trouve que c'est abusé, ce genre de préjugés. À un moment donné, faut arrêter de cracher sur le dos de personnes que vous ne connaissez pas. Et faut vous remettre en question à ce niveau-là. Si vous avez cette image, c'est que peut-être que vous, vous pensez comme ça. Et peut-être que vous, vous rêverez d'être sur YouTube pour l'argent. Mais de toute façon, si tu fais un truc pour l'argent, ça marchera pas, sache-le. C'est, si tu es là pour le plaisir et la passion, forcément les gens le voient. Et voilà, voilà, je suis un peu choquée, ce sujet, on pourra en parler des heures et des heures. Mais quand j'ai échangé là, j'ai vu des choses, j'ai été un peu choquée, je me dis, punaise, c'est dommage que les gens pensent comme ça. Que les gens pensent que c'est que pour ça. Avoir des cadeaux, des fois on n'est même pas rémunéré pour présenter certains produits. Des fois on le fait avec plaisir. Des fois on nous envoie des produits, s'il ne nous plaît pas, on ne le présente pas. C'est sûr que ça fait toujours plaisir. Genre voilà, c'est notre travail, on reçoit. C'est commercial comme des gens qui travaillent pour une marque. Au-delà de ça s'appelle au-delà d'être. D'être influenceur sur les réseaux ou quoi, il y a des entreprises où c'est comme ça déjà de base. Dans tout ce qui est commerce et tout, déjà c'est comme ça de base. Et ça faisait toujours plaisir d'avoir des petits cadeaux quand t'étais, moi j'ai fait de l'animation, j'ai fait tout ce qui est dans le commerce. Et en effet, où tu reçois des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Mais tu le fais parce que ça te fait plaisir. Donc voilà, je sais pas. C'est dommage que ça va dans tous les sens. C'est dommage qu'en ce moment les gens pensent de cette façon. Et si tu trouves que gagner des milliers et des cents sur YouTube, tu peux y arriver, ben mets-toi sur YouTube et puis voilà, arrête de croire que les youtubeuses ils sont là juste pour l'argent. Parce que c'est juste pour ça, on serait clairement, je me prends pas la tête ici. Hein. Je me prends pas la tête ici, je vous dis sincèrement. Des fois, on touche même pas un mi-temps. Des fois, tu touches même pas. Voilà. Mais tu craches pas dessus, c'est clair que qui cracherait les filles. Du coup, on se retrouve bien plus tard en soirée à la maison. Donc, juste après, on est passé au restaurant. On s'est fait un petit restaurant famille, on a profité. Et en plus, il y avait énormément de monde aujourd'hui au restaurant. Et du coup, je voulais à tout prix vous montrer ce que j'ai pris, ce que j'ai trouvé chez Momax. Donc je devais à tout prix vous montrer ce que j'ai trouvé chez Momax. Il fallait absolument que je vous présente ce que j'ai pris. Donc j'ai un peu une idée en tête de ma décoration d'automne. Donc elle sera vraiment dans le thème un peu plus, je vous ai dit, pas trop rangé. Le but que ce soit que ça aille aussi avec le gris. On verra ce que ça donne. Vraiment, je sais pas vraiment ce que ça donne. Mais il y avait des petites pépites du coup là-bas. Donc dans un premier temps, je vous montre les rideaux que je mettrai ici. Parce que la lumière ne rentre pas trop avec tout ce tas de rideaux épais, etc. Du coup, j'ai pris des rideaux blancs lambda comme ça. Ils étaient à 9€. Et comme ça, la lumière rentre bien dans cette pièce, sachant que je filme assez souvent ici. Et que je travaille et tout dedans. Et c'est vrai que plus il y a de la lumière et mieux c'est. Du coup voilà, c'est vrai qu'il y a un choix énorme de rideaux, d'ailleurs ce style là, mais en rideau plus épais, et ils étaient à 15€.
Ça va, c'est pas trop cher. Ensuite, j'ai pris ce plaid en Bordeaux. Donc pour moi, l'automne rime avec Bordeaux cette année et je voudrais colorer en Bordeaux nude, ramener un peu des couleurs assez comment vous dire, c'est les couleurs que j'aime porter en automne. Moi, j'aime bien porter rouge à lèvres rouge Bordeaux, rouge à lèvres rose vieux rose, etc. Et j'avais envie de faire cette fois-ci cette couleur dans ma maison. Alors peut-être que je vais voir avec le gris, ça va, j'ai un gris clair dans mon salon, donc est-ce que ça va sortir bien ou pas, mais en tout cas on voit que le rouge Bordeaux va très bien avec, avec le beige par exemple. Par contre c'est un joli plaid effet laine, franchement il m'a l'air pas mal. Et il était à, je crois, 10 ou 15 euros. Donc je verrai ce que ça donne, bien sûr je vous montrerai quand je ferai la déco. Pour que ça aille avec, j'ai pris un coussin déjà comme ça. Et en fait j'ai trouvé, je vais vous montrer, cette jolie housse de coussin, pareil dans le ton rose Bordeaux. Sauf que ce coussin n'existe que en 30x50 parce qu'ils sont tous partis. Ils étaient à 3 euros, du coup tout a été dévalisé dans cette couleur. Il restait que quelques-uns en orange et celui-ci est parti comme des petits pains. Du coup je le voulais quand même parce que je le trouvais beau et je me suis dit j'achète ce coussin qui était à 4 euros, la housse, et je trouve que leurs coussins sont assez épais franchement, donc je verrai ce que ça donne dans mon salon. Et ensuite j'ai pris pour les coussins du salon, les housses de coussins, du coup des housses de coussins lambda en 45x45 parce que comme je vous ai dit il n'y avait plus les simples, ceux-là en taille 45x45, dommage. Ensuite dans la petite déco que je vais poser, j'ai trouvé ce joli vase rose. Vous savez, il fait un peu penser au côté ferme et tout, les vases de la ferme. Il était en promotion, il était à 7 euros au lieu de 15 euros. Il est vraiment très joli, il a un vieux rose, je sais pas si vous voyez parce que je sais que c'est un peu... Il n'y a pas trop de luminosité, mais voilà, ça coûte environ 5 euros, donc ça va. D'ailleurs, il faudrait que je monte la ring light ici, comme ça je peux vous filmer des... comme la nuit maintenant arrive, plutôt que prévu, il faudra avoir de la luminosité. Bref, ensuite j'ai trouvé ces pépites, vous allez adorer, c'est des citrouilles comme ça, peintes à la main. En rose, en vieux rose aussi, avec la tige peinte en doré. Vraiment, elles sont très jolies. Il y a aussi des oranges. Je vous avoue que je regrette de ne pas avoir pris une orange pour faire un trio en fait et que l'orange ressort un petit peu. Je trouvais que ça se mariait très très bien ensemble. Vraiment, je suis dégoûtée, mais vraiment, elles sont trop jolies. J'aurais dû en prendre encore. Mais je me suis dit, je vais faire un tour à BM aussi pour voir ce que ça donne. Alors, il y a d'autres magasins. Je pense au centre-ville chez moi qui font de la déco et qui doivent avoir aussi des jolies décos d'automne. Et j'aurais dû voir aussi en Allemagne. Je sais qu'il y a d'autres magasins qui peuvent proposer des décos originales d'automne. Mais vraiment j'ai adoré ces couleurs, elles sont trop jolies. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment c'est canon. En tout cas je ne regrette pas d'être passée dans ce magasin. Je trouvais vraiment que c'était très très sympa, très joli, que c'était original. Et ça proposait de jolies couleurs pour nos maisons. Et en plus franchement c'est hyper chic là-bas. C'est vraiment de la déco, c'est pas n'importe quelle déco. Vous allez retrouver des décos magnifiques. Donc vraiment je vous recommande si vous habitez pas loin. Je pense que ça va être un des magasins que je ferai le plus souvent cette année. Voilà, pour les chaises j'ai pas trouvé parce qu'elles étaient un peu chères. J'ai pas trouvé ce que je souhaitais. Donc on va regarder un petit peu, fouiller sur internet tout ça. Voilà. Voilà, bah, cette journée c'est terminé. J'espère que j'ai créé quand même du contenu pour cette vidéo, ce premier vlog depuis très longtemps, depuis les vacances que je vous ai filmé. Dites-moi si vous aimez ce type de vidéo, de me suivre, de m'accompagner avec moi, etc. Comme ça j'essaierai peut-être d'en faire un peu plus. En tout cas j'ai adoré reprendre ma caméra et vous partager le quotidien comme d'habitude avec moi. Donc voilà, les vidéos thèmes bien sûr seront toujours au rendez-vous. Mais de temps en temps, des vidéos vlogs, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, je vous remercie encore pour vous être abonné à ma deuxième chaîne YouTube, Clean by Aziza. J'espère pourra évoluer et que vous allez adorer. Donc n'hésitez pas, je vous mets de toute façon toujours
en barre d'information la chaîne. Sachez que j'ai aussi fait un concours, j'ai ouvert un concours pour vous offrir un robot aspirateur sur Instagram. Donc je vous mets là, c'est aziza.kd, allez-y, ça vaut le détour. C'était vraiment pour vous remercier aussi de tout le soutien. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser là, je vais vous faire de gros bisous. Et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.